rien d'autre que le sang et la mort. Hein ? Tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous ? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. Arrête de geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers. De plus, je vous promets que si vous voulez son enfant, mes filles... Ah, laisse-moi voir. Donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu vas le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi, et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux ? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça. Continue à grandir. Ta tête rattrapera peut-être ton ego. Bon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel. Inutile. N'oubliez jamais d'où vous venez. Merci. Licor et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as de contre, Ethan Winters. T'es prêt? Six, neuf, huit,
Bien, Ethan.
pas. Pour ta vie. C'est très bien, Ethan. Impressionnant.